Alors bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu que je connais depuis très très longtemps, mais dans lequel je vais faire une petite vidéo. Donc ce jeu est Virtua Foot. Donc comme son l'indique, c'est un jeu de foot qui est constitué de une inscription pour jouer, c'est normal, classement général des buteurs, un forum et des derniers inscrits. Donc je vais m'inscrire sur ce jeu. Et je vais vous donner quelques astuces et une petite découverte sur ce jeu. Donc on peut se connecter avec Facebook. Enfin on peut s'inscrire et se connecter avec Facebook depuis 2009 je crois. Inscrivez-vous, je me dis bien. Donc là je m'inscris. Allez, on va faire du Luc du 4. Mot de passe, allez au pif. Et là, mon email. Ou sinon on peut s'inscrire grâce à Facebook. Mais bon, moi je préfère. Inscrivez-vous rapidement et après vous mettez un énorme formulaire. Mettre Luc en mode au pif parce que c'est même pas sûr que je joue pendant 10 ans. Votre ville. Ok, parfait. Non, c'est bon, ça va aller. Pas d'offre. Alors, attendez, excusez-moi. Bref. Donc, là, ils vont montrer un didacticiel. Donc, moi, je quitte. Donc, alors, dès que vous créez un compte. Dès que vous créez, oui, c'est bon, c'est bon. Alors, là, vous avez choisi le nom du club dans votre inscription. Donc, vous avez 750 000 euros de départ. Vous ne pouvez pas prendre des joueurs en prêt pendant une semaine. Là vous avez les heures, vous avez les messages, les négociations et vous avez les matchs, il n'y en a aucun. Donc finance, négociation. Bref, alors là, vous avez la saison. Saison 56, je crois que c'est par an. Je crois que ça se renouvelle tous les ans ou depuis que ça a commencé, je sais pas. Journée 40, 41 sur 49. Donc, carton rouge de Mabrouk. Même si j'ai jamais joué, mais il y a un carton rouge. Bref, on va modifier le maillot. En fait, attends que j'arrive là. Créer un maillot, donc vous pouvez créer un maillot style. Donc là où vous créez votre maillot, je crois qu'on peut créer son propre maillot en insérant des images. Je suis pas sûr, hein. Pour ne pas vous dire de bêtises. Donc là, j'ai le haut, le style quoi. Ah mais non, attendez. Ah, tini. Short, chaussettes. Couleur échangée. Échangée. En gros, ça fait rien. Actualiser les couleurs. Bref. Bon, voilà, vous pouvez changer vos couleurs du maillot. Alors, pour assigner un mannequin à votre maillot, vous devez découvrir le visage d'au moins un joueur de votre équipe. Bon, je sais. Vestor, on va voir ce que c'est. Donc, voilà, là, vous avez la petite maison qui. Ben, les tactiques, enfin tout ce que vous avez. Donc on va aller dans les finances, ma banque. Alors c'est quoi là? J'ai cliqué sur le VF Store. Oui, donc ça c'est pour acheter des trucs et gagner des étoiles là. Je sais pas quoi ça sert. Je sais pas quoi ça sert. Ça doit être pour créer des. Insérer des photos, enfin des photos qu'on a créées nous-mêmes, je crois. Donc la totale, donc vous avez 750 000 euros de base. Il y a des compétitions, championnat, coupe, classement, tous les matchs, matchs amicaux, entente. Après, on peut être VIP. Ça, c'est pour se déconnecter. Alors là, il y a le stade que vous pouvez agrandir. Là, il y a 7000 places. 7000 personnes, et il y a 7100 places. Vous avez aussi les droits TV. Là, où vous gagnez pas mal de sous, je crois aussi. Et t'as la pelouse aussi, il faut employer. Un jardinier. Donc voilà, ce jeu est pas mal quand même pour se renseigner un peu plus sur le foot, pour savoir ce qui se passe vraiment. Comme c'est quoi ça? Pour savoir ce qui se passe vraiment dans le monde du football, qu'il y a des droits des TV, qu'il faut un jardinier pour la pelouse, que tu vas grandir le stade. Bref. Donc là, on va aller dans le bureau du manager. Bon, ok, ça on a déjà les transferts.
Donc là, les transferts, les enchères. Les joueurs libres, donc là, c'est les joueurs que vous pouvez prendre tout le temps. Enfin, que vous prenez tout le temps. Que vous pouvez prendre. Le journal, je sais pas ce que c'est. Donc là, vous regardez un joueur qui est assez bon. Note, par exemple, à 17. Ça a l'air pas mal. Messi. Messi. C'est pas le vrai Messi, pas mon Messi, Messi. Je dois payer 2007, 2270 euros. Donc voilà, ça ressemble. Bon, il est bof, bof. Hein. Ça ressemble. Alors, pour le mettre dans votre équipe, ça vous mettez dans tactique. Ça, j'allais dire, ça ressemble, mais ça ressemble à rien du tout. Enfin, oui, ça ressemble. Voilà, pour connaître mieux le monde du football. Et tout. Et tout, et tout. Alors, Messi. Alors, pour changer, je crois que vous faites. Attendez. Si je prends lui et je mets là. Attendez. Attendez. Alors, là, je clique. Ok, action. Je sais pas comment on fait effectif. Je sais plus comment on change. Modifier la tactique. Là, vous pouvez changer. Est-ce que je peux? Là, si par exemple je mets celui-là. Attendez. Là, je le mets là. C'est un attaquant donc. Consigne. Alors là, vous pouvez mettre des consignes si vous voulez, ou si vous préférez qu'il attaque ou qu'il défende. Là, l'agressivité, si vous mettez 0, ils vont être un peu mollo quoi. Enfin, ils sont pas très agressifs quoi. Faut pas mettre non plus 100%. Enfin, je sais pas si vous pouvez mettre 100. 100. Non, 99 le max. Si vous mettez 99%, et bien il y aura tout le temps des cartons rouges dans les matchs, donc ça va être un peu trop agressif. Donc après, dès que vous avez fait votre tactique et tout, vous pouvez agrandir votre stade. Il y a une infirmerie pour les joueurs blessés et tout. Centre de formation pour former ces nouveaux joueurs. La boutique pour acheter de nouveaux joueurs. Et voilà, et prêter des joueurs ou acheter des joueurs quoi. La chaîne TV pour gagner de l'argent grâce aux rediffusions TV. La construction du stade. Ça c'est le stade, c'est pour le jardinier aussi. Alors là vous avez le staff. Et dans les transferts vous pouvez aussi prendre des jardiniers et un staff aussi. Et un manager. Là, vous avez la presse aussi. Et si vous voulez commencer un match, il faut aller dans tous les matchs je crois. Bon, il y en a qui prennent des branlées, elle a 10-0. Alors si vous voulez un match. Organiser, ou si vous voulez faire un match, vous faites organiser un match, ou sinon, vous faites match amico, je crois. Voilà. Et vous choisissez. Oups. Et vous choisissez, excusez-moi. Vous choisissez l'équipe contre laquelle vous voulez jouer. Donc vous faites accepter pour, par exemple, celle-là. Comme moi, je suis niveau. Quand vous commencez, vous êtes niveau 1. Évitez de prendre niveau 10. À part si vous voulez prendre un 40-0. Moi je vais prendre par exemple celui-là. Et le match va se jouer à 11h, donc dans 7 minutes. Donc voilà, là on peut aller voir l'équipe si on veut. Pour voir. Donc là il a 86 000 places, donc c'est pas mal. Il y a des. Oh, ici j'ai oublié de vous parler des partenaires. Vous pouvez mettre des partenaires sur votre. Comme il fait là. Et vous gagnez à peu près 2,5 millions, je crois. Ce qui permettra de. Bah, d'acheter des nouveaux joueurs et tout. Donc voilà, championnat Pays de la Loire, il a 50, moins, il a 50 points sur ce mois-ci, âge moyen 30 ans. Oh, c'est quoi ça? Et la dernière fois qu'il s'est connecté, c'était à 10h37, donc il y a 20 minutes à peu près. Donc voilà, c'était une petite analyse très sympathique sur ce jeu que je connaissais depuis assez longtemps, depuis 2008 à peu près, 2008-2009, sur Virtua Foot. Donc voilà, allez à plus.